connaissances. J'ai pas besoin de les reprendre cette fois-ci, d'accord? Donc du coup, je vais juste vous demander pourquoi vous avez décidé de faire un examen complémentaire des oreilles. Pour quelle raison? D'accord. Fermez les yeux, close your eyes, fermez les yeux. Vous allez me dire si je vous touche l'oreille gauche ou l'oreille droite, d'accord, c'est parti. You do.
essayer de retenir des mots, d'accord, ou des syllabes. I really know that there are strange indications I can use to my advantage. When you think at the time, it isn't the motive of the opponent. But when you think at the key moment, it's a game you can use to change the momentum. C'est difficile, c'est en anglais, d'accord. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire dans l'autre oreille, en anglais, en français, d'accord. Donc, je vais vous raconter une petite histoire, d'accord. Donc, ok, c'est parti, vous allez essayer de retenir le maximum de mots, d'accord. Il était une fois. On était dans un pré avec plein d'animaux. Plein d'animaux, les animaux, ils ont décidé de sortir du pré pour aller dans la forêt. Du coup, tous les animaux sont allés dans la forêt, ils se sont dit, après on est dans la forêt, tiens, on va aller dans la savane. Du coup, tous les animaux sont allés du pré à la forêt, à la savane, et tous les animaux étaient dans la savane. Et après, ils se sont dit, tiens, on va aller dans le désert. Et du coup, tous les animaux sont partis dans le désert, et il y a plein de trucs, plein de déserts. Et du coup, après, les animaux, ils se sont dit, on est dans le désert, on va aller dans l'océan. Du coup, tous les animaux sont allés dans l'océan. Après, ils ont nagé, ils ont tous appris à nager. Et tous les animaux vécurent heureux et jusqu'à la fin des temps. Ok, qu'est-ce que vous avez retenu? Déjà sur le livre en anglais que je vous ai lu, qu'est-ce que vous avez retenu? Ok, et sur la deuxième histoire? Excusez-moi. Je vais toucher vos oreilles et vous allez tout simplement pour l'instant me dire si je touche votre oreille gauche ou votre oreille droite, d'accord? Fermez les yeux, c'est parti. À faire une oreille et puis l'autre, et vous allez me dire si je vous touche avec la partie douce du pinceau ou la partie dure du pinceau, d'accord? On va commencer par votre oreille droite, d'accord? C'est parti, fermez les yeux. Tac. Ok, on fait l'autre oreille. Tac. Ok, maintenant je vais chatouiller très légèrement vos oreilles, et vous allez me dire quand est-ce que vous sentez que je vous chatouille les oreilles, d'accord? C'est parti. Je vais utiliser 5 objets, d'accord, et vous allez essayer de deviner l'objet.
Vous allez fermer les yeux. Je vais faire des sons pendant une quinzaine de secondes avec chacun de ces objets. Et vous allez essayer de deviner quel est l'objet en question, d'accord? Ok, fermez les yeux. Et vous essayez de deviner l'objet que j'ai, d'accord? Fermez les yeux. Ok, c'est parti. Soyez respectueux et poli, respect et poli.